Yubidibidou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est parti pour un cinquième let's play. Et, ah d'accord, je crois que j'étais bloqué. Et je vais commencer par un petit coup de gueule. Et bien ce petit coup de gueule, il est très simple. C'est que le temps de chargement pour une partie est beaucoup trop long. Hein? Alors on va faire se calmer. Hein. Enfin, que je me calme, tout du moins. Mais sauf que c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop long. Pour charger une partie, il faut attendre 1 minute 30. Sur la PS4 normale. Donc la pro, je sais pas combien de temps ça dure, mais pour la PS4 basique, ça dure 1 minute 30 pour charger une partie. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Hein? Bon, voilà, le petit coup de gueule est passé. Maintenant, on va faire notre petite mission. Allez, hop. À la quéquette. Oh, pardon, désolé, je vais pas dire ça. Je vais juste dire quête. C'était même pas volontaire en vrai. Hein. Allez, c'est pas par là. Faites demi-tour dès que possible. Merci. Oh, c'est joli. Le cas de Gadina. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah d'accord, ils sont servis pour le massage. Ah, on prendra un petit massage alors. Hein. Oui, les crustacés fruits de mer, on s'en fout un peu. Hein. Les massages, ça passe avant tout, j'ai envie de dire. Allez, on se gare. C'est pas ça. Ah, j'ai cru que le parking, c'était en plein milieu comme ça. En fait, c'est tout petit comme ville. Ouyouyou. Moi, je m'attendais à un putain de truc, tu vois. Et ben non. Un truc rikiki. Faire le plein. Faire le plein coûte 10 gills. C'est tout. Ah oh, bah ça va. Moi je pensais que ce serait au moins aux alentours de 100 ou 200 gills pour faire un plein. Ah non, franchement c'est pas cher. Ah bah ça me rassure. Hein. C'est juste histoire de faire un peu de la déco, on va dire. Alors. Tiens, il y a un trafiquant d'armes là-bas. Alors, oh, t'as un 8 moutons, toi. Oh, t'as des belles lances aussi, épais large. 150. Dans une 42 d'attaque. Attends, parce que moi j'aimerais. Ah, y'a que Noctis qui peut. Ça, ouais. Bah, attends, c'est bizarre en fait. Donc, ça, j'en ai combien en stock? Les deux lus, ils feraient plus 53 de vie en plus. Mais c'est bizarre leur truc de stat là. Oi oi oi. Bon, ils juraient ça. Alors pour Ignis, ça donne pas grand chose. Cosite, ça donne pas grand chose à Nto. Après, bah, c'est un pot pourri. Un pot pourri que donne de. Ah, 32 force. Ah, quand même. Mais du coup là ça donne juste plus. C'est un petit peu beaucoup de la merde. Bon pire. Là ça ouais ça apporte pas grand chose en stats hein. Ouh, il y a le truc pour les chocobos. Mais je peux pas je suppose. Voilà, fermeture temporaire toujours. Ils sont tous en fermeture temporaire, c'est bizarre ça tiens. Non mais où? Ah, tu vois, on peut te parler. Toi, on peut te parler. Alors. Oh! Tu me speak là? Tu me speak? Tu me parles, ok? Ah non, c'est qu'ils se parlent entre eux en fait. Ah d'accord, ils veulent même pas me parler. Et vous faire foutre. Hein, puis voilà. Bonjour! Je viens acheter des cols de phoenix. Ouh, bah, je vais acheter aussi d'autres ingrédients. J'ai de brebis. J'ai de brebis, ça coûte pas cher, tiens. Voilà, pour en acheter 3. 2. Ah, 20 kills, ça coûte pas cher. Ouh, de quoi qu'il se mise la voiture et. Permet d'écouter la bande originale de Final Fantasy V. Oh yo yo, bah ça j'achète direct. Pourquoi on peut en acheter plusieurs, je trouve ça con. Ah non, on peut en acheter qu'un, ça me rassure. Allez hop. Et après, ce sont des autocollants. Alors. Autocollants représentant des monstres. Faites une bête de la régalia. 2000 quand même. Quatrième autocollant d'une série qui donne à la régalia des allures. Et puis le cinquième élément aussi. D'accord.
Et bien c'est très bien tout ça. Donc et bien faut qu'on se tape tout à pied maintenant. Merci beaucoup. Oh, j'y pense, faudra qu'on aille pêcher. Ah ouais ouais ouais, va falloir qu'on aille pêcher les petits gars hein. Moi j'ai envie de pêcher hein. 残念なお知らせです. Homme louche. C'est qui lui déjà? そうだけど... On l'avait vu mince dans une bande annonce. Nanda. Matsuno Yanandayane. Kaero Kate Omote. Tesen Noe Kyokana. Il joue à quoi lui? Vas-y, fais le malin. Tesen Kinen ni coin de Teta. Vas-y, fais le malin. De toute façon, on te reverra. On te reverra. Hein. Et je pense que quand on te reverra pas la deuxième fois, parce que la deuxième fois ça t'en aura encore un peu. Mais quand on te reverra la troisième fois, bah là on te pètera la gueule. Et ouais, il faudra attendre la troisième fois. La deuxième fois, ça sera encore de la parlotte. Mais la troisième fois, là, ça va péter, hein. Ça va péter sévère, moi je te le dis. Bienvenue à la mer des perles. D'accord. Alors, sanctuaire, oui. Parking, d'accord. Ville et lieu de repos, d'accord. Ah, il y a un coffre. Point de récolte. Et voilà. Un menu. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Un gratin de Galdina. Donc des belles huîtres, en fait. Un poisson aux herbes et à la sauce tomate. Oh, ça a l'air dégueulasse du poisson à sauce tomate. Un risotto marin. Oui, on voit bien les petites moules en plein milieu. Et du crabe à l'étouffée. D'accord, d'accord. Ensuite, nous, on veut la chasse aux monstres, du coup. Alors, t'as des trucs niveau 11. Oh lolo lolo lolo. Je suis pas encore niveau 11. Hein. De toute façon, ça, les contrats, c'est juste de la chasse aux monstres. Donc, c'est pas très intéressant à filmer. Je fais hors vidéo. Berceau. Oh la vache, 10 000 gifs. Mais ils se foutent de ma gueule. Oh punaise. Examinez le spa de Galdina. Détendez-vous. Détendez votre corps et votre esprit pour renaître en douceur. Pour les femmes et hommes stressés. Moi je suis pas stressé. Je suis pas stressé, moi t'es ouf toi. En tout cas, je comprends pourquoi ça a 10 000 ans. Hein. On peut s'asseoir ou pas? Oui, ah non, c'est avec un truc. Pièce du sacre de l'oracle. Et saute, bon sang. Ah d'accord, les autres en fait, ils peuvent même pas passer ici. C'est réservé à moi ici, cet endroit-là. Ah bah, ils se sont carrément bavarés même. Du coup, on peut pas s'asseoir ici? Non. Osef. Mais non, je peux. Oh là là, on peut même pas prendre de raccourci. C'est. Super ça, franchement. Et bien nous y voilà, on va examiner. Horaire et passage du ferry hors service, et bah ben, sympa ça. De toute façon, ça m'étonne même pas. Mais, voilà. Mais c'est dur à passer ici, eh. Ou je suis juste une grosse merde aussi. Et ben non, pas de bateau, le ferry est fermé. Bah, moi aussi, tu vois, je comprends pas pourquoi. Tiens, il y a tout qui est fermé, on a même pas droit au chocobo. On a droit à rien. Merci beaucoup. Hein. Ah. Qu'est-ce que tu me veux, toi, Dino? Ah, bah, sympa ça. On peut pas partir d'Alticia, quoi. En fait. Ah, d'accord, lui, c'est tout. Ah, ouais, en même temps, c'est un journaliste, normal, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est jamais gratuit de toute façon. Je dis ça parce que moi c'est pareil, les chasses aux monstres c'est jamais gratuit. On va t'écouter et puis on verra bien. Hein. Ah, 80 points d'XP. Une chasse aux monstres, je suppose. Pour débarrasser d'une créature ou. S'occuper d'un autre reporter qui lui fait de la concurrence. Oh la petite pute. Ouais, c'est une petite pute, hein.
Alors, chantage cordial, ouais, mais c'est vachement cordial, ça. Oui. Pourquoi je passe par là, y'a rien par ici. Ah. Donc, eh bien, de toute façon, nous, on va faire notre petite pêche. Alors, attends. Ah, faut aller tout là-bas. Oi, oi, oi. Chantage cordial, ok. Attends, parce que là, de toute façon, on va prendre une quête. Après, on va prendre le coffre et puis l'ingrédient. Et on se carapate à la pêche. Allez, hop. C'est lui, mon pichon, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah non, c'est le chat! Oh, la feinte! Oh, la belle feinte, quoi. Nico? Comme si t'allais écouter un chat. C'est un putain de chat! Arrête de faire des monologues avec un chat! Pas de dialogue. Mais sauf que c'est plus un monologue. C'est juste un dialogue avec des miaou et miaou. Et ben voilà, on va pêcher! Et ben voilà, ça reprend de toute façon ce que je voulais faire tout à l'heure. Le festin du félin. Ah bien ça, bravo! Bonjour le jeu de mots, hein, merci! Oui, calme-toi, tu vas, on va te ramener ta bouffe, t'inquiète donc pas là, parce que t'es même pas capable de prendre ta bouffe et de te débrouiller. Ah là là. T'as pas un copain ours pour t'apprendre comment on pêche? Parce que les ours ils savent pêcher eux. Alors prends-toi un copain ours et puis vous pêchez ensemble et puis voilà. Ah ben non, faut que ce soit un pigeon comme moi qui me tape la pêche à sa place, non mais oh. Bon, c'est sûr qu'il y a écrit couillon sur ma face, mais bon, faut pas en profiter non plus. Hein. Donc, où est-il, les sucucu? Il est... Bon, puis on va mettre un point de repère direct. Il est là-bas. Attends, parce que toi... Alors là, les caravanes, ça coûte combien, ça? Ça coûte 10 000, ça se trouve? Ah, 30 guilds? Ah, pour XP 1,2. Bah, c'est déjà mieux, hein. C'est déjà mieux. Sur l'autre, c'est foyer XP doublé, mais... Payer 10 000 pour être l'XP doublé, c'est un peu se prendre pour des cons, quoi. Hein. Enfin, c'est même pas qu'un peu, c'est clairement pour nous prendre pour des cons. Ouais, prompto. Ixo. Oui. Alors. Ça doit être des coraux. Des fungus. Pff. D'accord. Eh ben, moi, comment que je suis fait là, hein? C'est de l'autre côté, je me suis fait avoir. Et en plein dans le mille. De toute façon, il n'y a qu'un con pour se faire avoir, et puis c'est moi, tiens. Hop là. Oui, trésor. Et bien, il est de l'autre côté. Mais yo, mais c'est pas possible ça, et... Voilà. Attends. Et voilà. Chevillard d'épéiste. Alors, qu'est-ce que la chevillard d'épéiste? Alors, équipement. Noctis. Ah, j'en ai deux. 60 forces. Oh la vache. Alors que ça me donnait 150 vies. Hop là, voilà, maintenant qu'on a attribué tout. Ah, par contre, on en peut enlever le repère, parce que le repère, il fait chier. Voilà, hop là. Et maintenant, on va les PC. On va les PC du beau crabe. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Ah, c'est quelqu'un qui médite. D'accord, lui il médite au calme ici. Pépère, ben allez, tant qu'à faire. Ah, calme-toi. Ceux qui meurent à la côte de Vanas. Karang géante et Karang de Galdina, et plus encore. Trop bien! Eh ben oui, que ça nous tente la pêche. Mais alors, il y a une façon baleine, soit d'araignée, pour l'instant. Il y a plein de leurres aussi. Ah, c'est bien ça, c'est complet. Ça me plaît bien, mais pour l'instant on va rien acheter parce qu'on veut rester au basique, hein. On veut juste pêcher tout simplement. Voilà. Alors, vous avez découvert un point de pêche, vous pouvez essayer la pêche, le passe-temps favori de Noctis. Ah bah carrément, c'est son passe-temps favori. Familiarisez-vous avec la technique, essayez d'attraper quelque chose.
Pour commencer, choisissez ou lancez votre leurre, déplacez le marqueur qui se trouve à la surface de l'eau, celui... Ah oui, je suis fatigué, moi. Celui-ci réagit lorsque des poissons se trouvent à proximité. D'accord. Alors. Eh bien, on va lancer là-bas. Observez à présent le radar en haut à droite de l'écran. Ouais, oui, d'accord. La position du marqueur et des poissons y est indiquée. Lancez votre ligne lorsque vous pensez trouver un bon endroit. D'accord, on va lancer là-bas. Je sais pas pourquoi c'est plus blanc. Une fois le leurre dans l'eau, déplacez-le en rembobinant la ligne avec votre moulinet pour changer l'emplacement de votre leurre. Essayez de trouver un bon positionnement pour attirer les poissons. Mais tu vas te calmer, toi! Vous pouvez relancer votre ligne à tout moment si un poisson ne mord pas. Mais non, ça va mordre. Ah! Tu vois que ça marche. Le leurre attire l'attention d'un poisson. Essayez de le faire mordre en rembobinant la ligne de façon irrégulière en lui donnant en lui imprimant de divers mouvements. Ah, il a mordu. Inclinez L dans la direction de la flèche pour assurer votre prise. Ça mord. Et maintenant, inclinez la canne, vous voyez. Le poisson essaie de s'échapper. Inclinez la canne dans la direction des flèches à gauche ou à droite de l'écran. Et gardez un œil sur la tension de la ligne pour éviter qu'elle casse. Et en même temps, je rembobine. Ah! Ah, la tension de la ligne est très élevée là, parce que la tension clignote en rouge. Faut lâcher un peu de R2 pour arrêter de tirer et donner du mou à la ligne. Quand la tension ne clignote plus, vous pouvez commencer à rembobiner. Mais il va se barrer. Ah non. Allez, on rembobine. Tu restes ici. Tu restes ici, Beta, et tu veux te calmer tout de suite, hein. C'est chaud, hein. On rembobine. Et voilà, ça va être bon normalement. Voilà. Eh ben dis donc. Hey, ils font quand même bien réaliste, hein. 52 cm, 2,477 kg. Bravo, vous avez réussi à pêcher un poisson. Vos prises vous permettront de cuisiner des plats ou même d'obtenir des trésors. On peut carrément pêcher des trésors. Sympa ça. Vous pouvez tenter de vous concentrer sur les poissons destinés à la cuisine. Un point jaune sur le radar indique un poisson comestible. Ah d'accord, c'était pour ça que c'était en jaune. La qualité du poisson en tant qu'ingrédient ou sa valeur en tant que trésor dépend de sa rareté. Améliorez votre aptitude de pêche et utilisez un matériel adapté pour pêcher des poissons légendaires. Ouais, attention, ça rigole plus, hein. Bah oui, on va arrêter de pêcher. On a juste pêché un, puis je pense pas que ça vous intéresse vraiment la pêche. Donc moi je pêcherai au pire hors vidéo, comme ça on continuera d'avancer dans l'histoire. Puis on va donner ces petits poissons à Monsieur Neko. Monsieur Chat. Ah non, sergent pas ici. Ça c'est un pont de baise. Si tu peux dire sergent pas du tout pas ici, ça sert à rien en fait. Allez. Ouais, j'ai cru voir. J'ai cru ne rien voir en fait, voilà tout simplement. C'est bon mon minou, j'ai trouvé ta nourriture. Voilà, c'était ça. Il est tout frais frère. Ah, il dit que toi, hein. Il aime pas le poisson. Lui il veut que je le frappe. Lui il veut que je le frappe. C'est lui qu'on va cuisiner, hein. C'est le chat qu'on va cuisiner. Tu vas voir, on va en faire un bon festin de chat. Oh, je te jure. Bonjour madame. Ah d'accord, la fille elle est cache au moins. Allez hop. Non, on ne drape pas comme ça nous. Mais t'inquiète pas, on a acheté du poisson, enfin, on en a pêché du moins. On a déjà pêché un. Ah, faut qu'on en repêche un autre encore. Ah non, d'accord, merci. Je croyais qu'il fallait qu'on en repêche encore un autre. Faut pas déconner, hein.
Hop là. Ah oui. Mais sauf que là, j'aurais bien voulu cuisiner ce chat. Il m'a tellement fait chier. Qu'un petit festin de chat, ça aurait pas été trop mal. Eh, mais punaise, t'es rapide, toi, hein. Alors là, tu m'épates. Et on a même pas vu la gueule du plat, et... Normalement, on voit la gueule du plat, en final. Bah non, là. Comme quoi, elle a vraiment la cuit à l'arrache. C'est un poisson carbonisé, ça se trouve. Enfin, s'il est content, le chat, ça lui va. T'as intérêt d'être content, cette fois. Ouais, voilà. Ouais, c'est de la bonne pâté pour chat, en fait. Ah, je te jure. En plus, il fait OK, il fait oui, qui est d'accord. Oh là là. Ah, par contre, ça donne pas mal d'expérience. Mais non, c'est pas moi de lui apprendre à pêcher, c'est un ours. C'est un ours qui doit lui apprendre à pêcher. Hein. Mais non, je vais pas lui parler, il dit juste miaou. Qu'est-ce que je réponds à miaou, moi? Il y a un truc ici, là. Hop là, moi je suis un taré. Je saute ici, parce que j'ai vu un truc ici. Voilà. Une coquille fossilisée. Voilà, tout ça pour ça. Ça pour une foutue coquille de merde. Ah bah c'est du beau, moi je vous le dis. On va prendre la régalia. En conduite automatique. Et à la quête. Et bim. Une minute. On est parti. Et nous y voilà, on arrive à la quête. Vas-y, stationne-toi ici, stationne-toi, voilà. Merci. Et tout le monde descend. Hop là. Et donc, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ici? Trouver des pierres précieuses. Ah, c'est vrai, il faut chercher des pierres précieuses. Ah bah maintenant il nous balance là-bas, mais c'est quoi ce point d'interrogation? Oh là là, sacré point d'interrogation. Pas d'exclamation plutôt. Ah là c'est le dépôt du minerai. Mais allez, alors là on est parti pour tout un tour, c'est une chasse au trésor, allez hop on est parti. Hein. Bon je suppose que sur ces pierres il y a un monstre. Oh putain, c'était ça le monstre. Oh putain, la gueule du monstre! Ah, je comprends mieux pourquoi. Je pensais pas qu'il serait aussi gros le monstre quand même. Hein. Tout doucement. Et merde! Oh merde! Ouh. Mais il est gigantesque. Oh lolo, regardez-moi ses dents. Oh yo 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 yo, on est dans la merde, on est dans la merde, mais complètement là. Laisse-toi, on va te piquer. Vas-y, allez, go 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 go. On y va, on y va. Et te mets-toi debout. Oh la vache, ah c'est qu'il y a du vent. Mais merci. Ah j'étais bloqué en vue comme ça, c'était chiant. Ah c'est carrément dans ses sécrétions. Ah le petit enfoiré, il nous a bien... Ouais par contre là il y a du minerai là. Ça c'est intéressant du minerai. Bon par contre, merci. Hop là, de la poussière. C'est tout, il y a que ça en poussière. Ah. Mais... Ah d'accord. On en trouve comme ça en marchant sur le tas. C'est bizarre. Bon, par contre, là, il est 19h. Donc, va falloir y aller. Hein. Parce qu'on va se taper encore des monstres. Et en plus, ils viennent sur la route. Qu'est-ce qu'il y a? Nocto. Yoru no drive wa kiken da. Ichido machi ni modoranai ka. Ma gueule.
Non. Alors je prends le volant, moi j'en ai rien à faire, mais je conduis. Hein? La conduite de nuit patati, la conduite de nuit patata, mais on s'en fout. Mais oui, on fait pas de folie, t'inquiète donc pour eux. C'est juste conduire une voiture, hein, y a rien de dangereux. Mais non, ça pose pas de problème. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, je suis arrivé en sécurité, y a rien de dangereux à conduire la nuit, hein. On va se calmer. Hein. Ah là là, je te jure, les petites natures. Hein. Allez, fais ta marche arrière, il dit comme ça, il sera tout content, puis voilà. Ah, je te jure. Alticia encore plus belle. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être à Alticia alors. Hein. Allez hop, on va conclure cette quête, et après on va faire un bon gros dodo. Oh, bah dis donc, c'est très lumineux ici. Hein. Ah non, on passe pas la nuit ici, hein, t'as cru. Hein. Non mais oh, ça coûte 10 000 la nuit. Faut pas payer 10 000 sous pour une nuit. Sachant que j'ai même pas assez, je crois que j'ai 4 000 ou 5 000. C'est moi ou il y avait une baleine qui a sauté? Non, c'est moi. Maintenant j'ai des hallucinations, oh là là. Eh ben oui, on les donne et puis c'est tout. Oh, enfoiré. Ouais. Ah bah tiens, carrément, lui il a un double job. En plus, ça travaille une noire. Ah. D'accord. J'espère que ça montre truc. Ah, c'est le renard. Ouais, ça passe. Mais oui, on va réserver un hôtel, t'inquiète donc pas. Alors. Bah oui, qu'on est content. Ok, ben on va dormir une petite nuit. Et puis on fera. Histoire de récupérer l'XP. Et on reviendra te voir. Demain. Oh, cosmogonie. La cosmogonie, les 6. Titan, l'archéen, aussi inébranlable que la pierre. Ramu, le fulguréen, à l'esprit vif comme l'éclair. Shiva, la glacéenne, douce comme la neige. Léviathan, l'hydréenne, implacable comme la marée. Bahamut, le draconéen, dur comme l'acier. Ifrit, l'infernal, changeant comme le feu. Ils sont les 6 qui veillent sur Eos depuis la nuit des temps. D'accord. Donc ce sont un peu les gardes. Et donc, dans les précédents. Donc là, dans cet épisode-là, ce sont des. Je crois qu'on les appelle les gardiens. Oui, enfin, ils n'ont pas le même nom que sur les autres épisodes. Les autres épisodes, bah, ils avaient le nom d'Eon ou d'autres noms, quoi. Allez, après une bonne nuit à Caravane, ça ne fera que du bien. Tranquille, c'est pas cher. Allez, dodo. Alors, baie de Galina. Donc, temps passé, ça, 0 jour. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Alors, donc, temps D. On a que D en bilan. C'est frustrant. Allez. Ah, ça va faire du bien, hein. Dormir dans un bon lit. Vas-y, prépare la gazinière et tout. Ça va être du beau, hein. J'espère que tu vas nous faire de la bonne cuisine, là. Tu vas nous mijoter un bon petit plat. Ah, quelle belle famille. C'est bon, vous avez fini de discutailler. Niveau 8, bah c'est bien, ça. Gain de niveau d'aptitude en photographie, capacité d'utiliser le filtre nostalgie. Et bah tiens, puis le dernier level, c'est ça devient de la pornographie. Ah, c'est sympa. Ah, par contre, ça c'est trop éclatant. Hein. Ah non, mais lui, je veux pas voir sa gueule déjà. Ah, ça c'est marrant. Ça c'est marrant, j'aime bien. Allez, on va sauvegarder. Ça, non, je peux voir sa gueule. Le test, ouais. Le gros oiseau. Oh, on va garder le gros oiseau. Hein.
Elle a pas regardé le gros oiseau, tellement qu'il est mignon. Les derniers, la dernière est nulle. Ah, déjà. Ah d'accord, en fait la bouffe, rien que dalle. On a rien du tout en bouffe. Et bah d'accord, merci, au revoir. Hein. Oh, je te jure. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce petit paysage paradisiaque, je vous dis à plus tard et à tes fêtes de Pâques.